Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je suis désolée, je suis pas maquillée, je suis fatiguée. En plus, après, je vais au travail. Donc, je vous filme vite fait ce que j'ai acheté aujourd'hui pour mes filles. Donc, on va commencer. Je suis au pif. Donc, il y a du tape à l'œil, Kiabi et District Center. Donc, j'ai fait des stories sur mon Instagram. Mais les personnes qui n'ont pas mon Instagram, d'ailleurs, je vous le mets juste ici. Les personnes qui l'ont pas, au moins, ils vont pouvoir le voir du coup sur ma chaîne. Donc, j'avais un bon d'achat de 5€ pour l'anniversaire de Yuna, donc de ma grande fille. Je lui ai pris un pyjama, il était à 14,99€, donc moins les 5€ de son anniversaire. Donc, c'est le haut, ça, c'est écrit ma chérie dessus, je crois. Non, jolie chérie. J'aime beaucoup la couleur, ça change un peu. Ça fait longtemps que je ne vais pas acheter de pyjama parce que celle, enfin, ceux qu'elle a sont grands en fait, donc du coup, elle les met longtemps. L'appareil il va être très grand, 128 cm, j'ai pas fait attention en fait, ça dépend des magasins, du 8 ans ça va être parfait, d'autres non, là ça va être trop grand, 128 cm, mais pas grave, pareil elle mettra longtemps s'il le faut, en plus j'aime bien la matière, il est trop bien, donc voilà. Ensuite pour ma dernière Chloé, je lui ai pris un petit haut que j'avais déjà vu pour Yuna, sauf que pour Yuna je l'avais pas pris, en fait j'aurais dû, mais tant pis, donc j'ai pris pour Chloé. C'est une petite blouse. J'ai pris en taille 2 en 86 cm, 12,99€ moins 40% à tape à l'œil. Donc je suis allée en magasin, sachant que sur le site, elle n'y est pas. Parce que j'avais voulu la commander pour Yuna, donc elle n'y est pas sur le site. Je suis désolée, mon téléphone ne fait je sais pas quoi. Donc voilà. Ensuite à District Center, j'avais vu cette jupe bretelle. Donc 12,99€ moins 70%. En taille 18 mois, donc c'est pour Chloé. Donc j'ai pris en rouge pour changer un peu. J'ai pris un pyjama à Chloé, 9,99€ moins 70% en taille 24 mois. Il est vachement grand. Elle le portera l'hiver qui arrive du coup. Donc c'est une petite pomme. Ouais, c'est une petite pomme cœur ou une fraise. Je sais pas trop. Donc voilà, il est vachement grand. Elle est pas là ta soeur. Tu fermes la porte ? Mon neveu, je lui ai pris un petit haut comme ça. C'est écrit Happy Petit Boys en 24 mois, donc 86 cm, 1,99€ moins 50%, donc trop valable. Il y avait plein de choses, mais j'ai pas le temps de bien garder. J'avais mes deux filles avec moi, donc comment dire, c'était compliqué. Donc pour mon neveu, et je lui ai pris aussi celui-ci, il est trop mimi, j'adore avec la petite voiture comme ça. Et 6,99€ moins 70% en taille 24 mois. Donc il est trop mimi. Et là, on va passer à mes filles encore. Donc j'ai pris un gilet à Chloé. Donc c'est une taille 18 mois, 80 cm. A mon avis, ça va être juste. Faut que j'essaye. Mais pour moi, il taille est grand en fait. Donc faut que j'essaye. Au pire, même si elle le met là pour les soirs d'été, ça va être parfait. Sachant qu'en ce moment, on a de la flotte. Donc les gilets sont sortis. Alors 7,99€, il était à moins 70%, donc c'est vraiment pas cher. Je vous mettrai au pire les prix à combien ils sont passés du coup. Pour Yuna, Kiabi, je lui ai pris celui-là. C'était un article pas soldé, mais il était à 7€ le haut, donc je trouvais que c'était pas cher. Et il est trop mimi, je trouve que ça change un peu de ce qu'elle porte. J'ai pris en taille 8 ans, c'est du 126 cm. Ah ouais, ça va être grand en fait. Mais pourquoi je regarde pas les tailles? Bon, écoutez, même si c'est un peu grand et que ça fait l'été prochain, ça me convient. Au pire des cas, c'est pas très grave. Mais pourtant, Kiabi, ça taille petit, donc à voir. Donc là, en 18 mois, c'est 77,82 cm le 18 mois chez Kiabi pour Chloé. Donc au lieu de payer 8€, il était à moins 30%. C'est une petite blouse blanche comme ça. J'ai bien aimé en fait déjà les petits épaules comme ça et les petits boutons. Trop mimi. Donc écoutez, je pense qu'elle va le mettre parce qu'elle m'a l'air de taille grande. Donc même si c'est que cet été, enfin vraiment quoi, il fera beau, c'est pas très grave si elle ne met pas l'année prochaine. Après moi je revends peut-être 1€ l'article, donc vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris un petit jean 5€, donc c'est des trucs pas soldés, mais j'avais pas de petit jean clair comme ça pour Chloé. Donc en fait moi c'est vraiment les pantalons qu'il lui faut à la base, mais
craque toujours sur des petits hauts. Donc, mais là, elle a quelques pantalons, donc ça va être bien pour cet été. Enfin, pour les soirs d'été, etc. 24 mois, j'ai pris, donc c'était 14 euros, moins 30% l'ensemble là. En fait, c'est un petit haut comme ça. Trop mimi. Et moi, je le mettrais avec ça, je pense. En fait, je le rentrerai dedans et c'est une petite, un petit short, un petit bloomer. Par contre, il m'a l'air de tailler grand, lui. 83-89. Ouais, je sais pas. Donc, voilà pour les achats. Je suis désolée. J'ai vraiment une tête fatiguée. Hier, j'ai fait une sacrée journée. J'ai couru partout. Avec le travail, les rendez-vous. Et aujourd'hui, bah, je travaille ce soir aussi. Et je suis allée faire les boutiques cet après-midi. Donc, du coup, je suis fatiguée. Mais bon, écoutez, demain, je ne travaille pas parce que c'est le 14 juillet. Donc, je vais me reposer et peut-être sortir un petit peu l'après-midi. Je vois. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ce petit haul vous a plu. Bye!